S'il existe un ordre indispensable à enseigner en priorité à votre chien, quel que soit son âge, c'est le rappel. Le rappel est une question de sécurité. Il permet de ramener le chien dans votre périmètre à l'approche d'une route, en cas de situation distrayante, de présence d'un animal agressif, ou encore si des personnes ont peur des chiens. Cet ordre est aussi essentiel pour le bien-être de votre chien, et le vôtre, puisque vous pourrez le laisser courir et jouer librement dans un grand espace ou avec d'autres chiens et en confiance. Alors, comment inculquer cet ordre? Tout d'abord, il est important de rendre le rappel positif. Si vous le rattachez dès qu'il revient, ça ne va pas fonctionner. Associez son retour à un moment agréable. Il faut qu'il soit motivé pour revenir. Cela peut être son jouet préféré, une friandise qui ne sert qu'au rappel, ou encore l'autorisation de retourner jouer avec les copains. Le rappel peut être demandé uniquement avec le nom du chien, Colonel, ou en l'associant avec un marqueur. Par ici, bravo, viens vite. Oui, bravo Colonel. Utilisez toujours la même intonation et surtout enjoué. Colonel. Si vous appelez votre chien en le réprimandant ou en étant crispé, aucune chance qu'il ait envie de revenir. Et ne l'interpellez pas tout le temps, vous pourriez le lasser et rendre le rappel totalement inefficace. Vous commencerez à travailler le rappel dans un endroit clos et sans distraction, puis vous augmenterez le niveau de difficulté progressivement. Une longe de 10 à 15 mètres peut être un super outil pour, à distance, regagner l'attention de votre chien et vous sécuriser. Le rappel est à travailler durant toute la vie du chien et vos séances d'entraînement ne feront que renforcer le lien qui vous unit.